Yop tout le monde, c'est Glib, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte du pack Elite qui vient de sortir. Donc on a deux maps, on a Libération et Piazza, donc on va tout de suite commencer à chercher. J'ai un juge de passer Elite, j'ai acheté des points pour pouvoir le passer, j'avais quelques points de réserve, donc du coup bah avec les nouveaux j'ai pu acheter Elite qui était à 4000 points. Donc on a un nouveau mode Elite, donc je vais chercher Domination au match à mort. Match mort domination. Alors on va mettre domination. Je kiffe la domination. Donc voilà. Donc on va essayer de tomber sur Piazza. En premier. Donc Piazza. Oh c'est dur, c'est pas grave. De toute façon on va faire les deux. Je sais pas si je ferai les deux vidéos en une seule. Ou alors si je ferai deux vidéos. Oh bah parfait, ça vient de commencer. Donc vu que Piazza, là on est sur Libération. Donc alors Libération, c'est une map qui se passe à Central Park, donc à New York. Elle est assez grande, d'après ce que je vois là. Je fais la vidéo à chaud comme ça, là. Je vais en rentrer de court. Voilà quoi, donc la map elle est assez grande. On se demande un peu... On se demande un peu ce que font des missiles dans Central Park. C'est pas commun des missiles dans Central Park. Mais sinon, elle a l'air assez sympa. On va voir, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je dirais que cette map est plutôt faite pour jouer sniper. Il y a un mec qui était là. Insertion qui est neutralisée. Le mec est passé par là. S'il me tient. Non, je trouve pas. Bref. Donc, ah si, il est là. Enfoiré, il se met dans. Donc, je dirais que cette map là est faite pour le snipe. Vu qu'il y a quand même pas mal de. Quand même pas mal d'endroits à dégager. On va pas s'aventurer là. On va essayer de faire un bon score là pour la première partie. Donc c'est un endroit assez dégagé. Normal, ce sera le parc le veut. Donc moi, franchement, pour ce map là, je vous conseillerais plutôt de jouer au sniper. Oh, bâtard. Non, bâtard. Bon, donc je vous conseille de jouer plutôt au sniper. Après, je vais vous laisser un conseil. Mais pour mieux jouer, vous devez plutôt jouer sniper. On sécurise B. Ah le bâtard. Je veux plutôt sniper ou alors jouer avec des fusils d'assaut, mais fusils d'assaut silencieux parce que. Comment vous expliquer? Sur une map comme ça, on est facilement repérable. Attention, équipe Delta. Du fait de nos camouflages. Là par exemple, j'ai un camouflage sniper, je me ferai pas trop repérer. Mais si j'ai un camouflage. Non, je regardais l'écran. Mais si vous avez un. Voilà. Si vous avez un camouflage type fusil d'assaut, enfin, quand vous êtes. Vous incarnez un mec qui tient un fusil d'assaut, pour moi, vous ferez facilement repérer du fait que le camouflage n'a rien à voir avec la. Avec. Avec l'ambiance. Connard. Il va attendre l'insertion, voilà. Putain, j'ai envie de péter un. Alors, ça, j'ai envie de taper un. J'ai envie de. Comment vous expliquer? J'ai envie de faire une vidéo coup de gueule juste pour ça. Les mecs qui vous attendent à l'insertion. Vous ne voyez rien de... Regardez, ils balancent une grenade, ils vont. Vous ne voyez rien de fanboy de Diablo X9 ni rien. Mais je pense que tout le monde a envie de taper un coup d'art du fait que les gens, depuis ce Call of Duty, arrêtent pas de nous attendre à nos insertions. Sur Modern 2 encore, c'était presque pas présent. Mais là, sur ce Call of Duty... Vas-y, ce Call of Duty là, ça devient une habitude. Tout le monde t'attend l'insertion. Et ça, je commence à en avoir ras le cul. Sérieux. Après, il y a les types 95, il y a les GMP, quoi, les GMP pour l'instant ils sont calmés un peu. Mais il y a aussi les types 95 Zizer Laser. Je supporte pas cette arme là. Elle one shot tout le temps. Je la trouve largement abusée. Enfin bref. Donc
Mini coup de barre là, mini coup de gueule en même temps. Ah mais regardez le Spazou. Spazou c'est aussi une arme cheatée. Pour la montée niveau 28, c'est le truc, c'est... j'arrive à rien, j'arrive à rien. Il me casse les 1-1. Hitmarker. Ça c'est bien aussi, Hitmarker dans le jeu là. Ah mais voilà. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas en silencieux sur cette map là, vous, vous faites déchirer. J'ai pas de classe viseur laser avec un fusil d'assaut, donc je l'aurais bien pris pour faire un bon score. Faire plutôt jouer au sniper, et puis les, bien sûr pour les hélicos c'est super ça. On s'est niqué comme on veut. Oh, et puis un S-130 bien sûr, c'est... Eh le mec m'a vendu à l'insertion je parie. La communauté les gars, la communauté. Franchement, si vous voyez cette vidéo là et que vous jouez comme ça, franchement, n'attendez pas aux insertions. Je trouve que depuis quelques Call of, depuis Black Ops, connard. Hein. Vas-y, putain, striker mon gars, mais vas-y. Oh, va te prendre. C'est quoi je... Il se passe 12 en or, bien sûr. Depuis ce Black Ops, la communauté est devenue merdique. J'ai vu des chiffres depuis... C'était quand? C'était il y a à peu près 2 semaines. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient commencé Call of avec Black Ops. Oh putain. Donc avec un jeu qui franchement n'est pas une référence. Qui n'est pas une référence, que Black Ops était un jeu de merde. Je le dis haut et fier, c'était un jeu de merde. Connard. Là. À part pour le zombie. Attendez seconde. Et donc voilà. J'ai eu juste un petit problème vite fait. Voilà, donc pour moi, la majorité, enfin, on va dire la moitié, je crois, des joueurs Call of sont maintenant des mecs qui ont commencé par Black Ops. Et franchement, Black Ops n'est pas une référence. Voilà. Donc pour moi, les joueurs comme ça ne valent rien du tout. Ils ont pas fait leur preuve sur d'autres Call of. Après, c'est mon avis, vous avez le vôtre. Pour moi, c'est, je pense ça, après, chacun pense comme il veut, pardon. Voilà. Et puis voilà. Maintenant, tous les joueurs cherchent à faire du frag facile. Justement, les mecs de Black Ops, maintenant, s'arrêtent aux insertions pour faire du frag facile. On a l'impression que maintenant, c'est super dur de faire du frag et tout. C'est vrai qu'avec la MOAB, ça, c'est un peu... C'est un peu plus chaud, mais bon, faut pas non plus que ça dégénère, quoi. Là, la communauté, je le dis haut et fort, la communauté se barre en couille, comment ça s'appelle déjà? Affinity War ne font rien pour les sauver. Ah, j'ai fait tirer un mec, là. Drone ennemi repéré. Vas-y, ramène ton drone, toi. Voilà, donc la partie va bientôt se terminer. Je vous ai un peu parlé de tout ce qu'il y a. Donc après je fais aussi une domination. Je mettrai sûrement une annotation à la fin de cette vidéo là pour que vous ayez voir la vidéo sur Piazza. Piazza qui a peut-être quelque chose. Il y a peut-être enculé de campeur. Il y a peut-être quelque chose à faire sur cette map. Tandis que Libération, franchement, j'adhère pas du tout. Beaucoup de campeurs, voilà quoi. Drone activé. Voilà, excusez-moi, donc ça, il y a du monde chez moi, donc je suis un peu occupé, mais bon, c'est pas grave, je fais cette vidéo-là. Alors voilà, donc là, la partie va se terminer. J'ai pas fait un score exceptionnel. Bâtard, il a sécurisé. J'ai pas fait un score exceptionnel. Et ça campe beaucoup à l'arme. 11-24, enfin bref, on s'en fout un peu. Je pense que je prendrai l'arme pour jouer sur... Sur Piazza, voilà.
Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc vous avez juste à cliquer sur l'annotation qui s'affiche là maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas la notation, cette espèce de carré qui s'affiche là, pour voir la deuxième partie sur Piazza. Voilà les gens. Bon, allez, à tout de suite.